Mercredi 6 septembre 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sous TAC Info News. Nous comptons avec vous pour nous capables d'informer matin ça. Et merci à tout le monde qui continue de partager page là, en façon pour permettre plus de monde connaître ce qui est passé dans le pays et d'Haïti. Nami quoi pour informer ou comme toujours, journaliste Saint-Louis, nous allons regarder ensemble ça qui gagne l'actualité. Collectif éducateur pour renouveau éducation, mandé ministère éducation nationale, reporté date ouverte l'école là à cause situation en misère qui gagne dans le pays. Ministère éducation nationale annoncé les fermer pour un petit temps service externe dans Babiol à cause gang Cafoufeuille. Abel de Colline li mandé pour tout acteur faire un effort pour capable jouer nos solutions dans crise paysan là, puisque nous connaissons une équipe émissaire CARICOM qui nan paysan depuis 4 septembre hier. Yo parlé avec premier ministre Ariel Henry et maman c'était yo y a continué avec dialogue dans mitan divers secteurs. Mouvement patriotique pour la vie qui formé ak yo ensemble moun qui sorti dans SDP qui c'est moun branche André Michel qui a supporté pouvoir, et ben yo mandé là pour faire un fonds commun pour retirer paysan dans crise liée journée jodiyan. Yo croit pas gagner aucune solution qui jeune avec Ariel Henry. Aggravation situation sécurité a été prévisible dans le pays d'Haïti d'après groupe cap travail sur sécurité qui t'a proposé yon ensemble solution par le gouvernement, mais yon pat occupé yo. Et puis gagné avocat Caleb Jean-Baptiste qui déposé en plainte dans cabinet d'instruction contre Johnson Napoléon Laurent Lamotte pour plusieurs faits de reproché yo tant coup détournement l'argent, corruption, blanchiment l'agent ak association malfaiteur. Premier ministre Ariel Henry procédé hier mardi ak lancement programme subvention ciblée pour véhicules transport en commun, mais ensemble syndicat qui nan secteur transport te boudé et cérémonie si la. Rete avec ton titre sa yo ak pilote pa le fait essentiel journal pour matin mercredi 6 septembre 2023. Je ne l'intitule, situation difficile dans divers côtés dans le pays d'Haïti, par exemple, dans Plaine, dans Croix-des-Bouquets, Cafoufeuille, Matissan, dans Savien, dans la Tibonite, puisque gang prend divers côtés dans le pays. Mais dans ce sens, il y a diverses voix qui levent là, qui continuent à lever pour demander, pour l'école là, pas l'ouvrir en septembre, qu'à venir là. C'est cas pour collectif éducateur pour une nouvelle éducation qui m'a dit ministère, reporter entre l'école là, qui pourrait faire en septembre, qu'à venir là, à cause Zak insécurité qui blaye dans divers côtés dans le pays d'Haïti, côté en pile institution qui compte servir pour accueillir élèves, yon servi abri provisoire. Gagné Patrice Célestin qui est responsable entité ça, qui pose le ministre en question. Est-ce qu'il n'est pas au courant que grand pile parents qui n'est pas ensemble encore parce que bandi est séparé, yon chaque lag est quoi yon côté. En côté Patrice Célestin. Ces affaires matin là, c'est vrai faire le devoir pour poser 10 questions avant rentrer des classes là. Monsieur le ministre, est-ce que vous n'êtes pas au courant de problèmes d'insécurité côté professeur de l'école, directeur de l'école, papa, maman, si vous êtes dans la rue, puis vous êtes là-dedans, vous avez dormi sous le dos. Ministre Desmi, problème économique, la vie chère, je dis à la toute canère était dans la direction de l'école. Parents, pas capable de mettre des chaudières pour bailler des mounions en mousse manger. Zafait uniforme, zafait livre, l'État est conventionné, je dis à la, pas de ça. Et tandis que tout le monde n'a pas de travail, il y a un chômage endémique, parents, pas capable d'acheter uniforme avec livre pour des mounions à l'école. Troisièmement, dossier choléra avec dossier VIH-SIDA. Pendant que je dis à la, tout le monde en déplacement, en abri, en dans centre d'hébergement. Sida, choléra, a balé terrain. Qui mesi, mouche l'État prend pour ça va propager sur tout le monde qui est en abri provisoire. Mouche l'État, est-ce qu'on pas au courant de 20 écoles, 20 locales l'école qui servent abri pour les gens qui en déplacement yo? Parmi eux, il y a 10 écoles publiques là-dedans. Famille séparée, je dis à ministre. Papa, maman, petite, chaque moun yon côté, est-ce qu'on pas au courant? Ministre Nesmi, côté l'agence subvention, qui était toujours
à disposition ministère de l'Éducation nationale pour permettre aux parents qui ne sont pas capables de mettre un petit bout de ligne écrit à ministère avec Canet Timounio, ou bien l'école qui est dans le quartier défavorisé, qu'on sélectionne le groupe de gens qui ne sont pas capables de adresser à ministère et ministère qu'on répond avec besoin parents. Je dis à l'agence, ministre délocalisé, vous voyez le ministère des Affaires sociales, qui sont ministères, n'a pas demandé au ministre, l'agence a NESA, il faut que tourner dans le ministère parce qu'elle était utile si la équipe pauvre. Ministre Esmi, pendant aujourd'hui, il y a environ 3 millions de personnes qui sont en famine alimentaire. Est-ce que des propres NCSA qui mangent déjà avant d'entrer à l'école là? Ministre Esmi, est-ce que vous payez les gens qui sont dans la surveillance examen? Observateurs, est-ce que vous touchez l'agent ça déjà? Parce que vous apprenez, c'est personnel éducation qui participe dans toutes les composantes d'examen. Mais à qui ça y a acheté son soulier, un pantalon pour reprendre chemin l'école là? Mais est-ce que vous payez tout? Professeur qui te participé dans le cours de rattrapage, qu'on te demandé pour te faire, pour te permettre, si vous avez un cours supplémentaire avant d'aller examen NS4 avec examen 9e. Comment professeur ça yo, qu'elle fait, acheter souliers, acheter pantalons, acheter chemise pour reprendre chemin l'école là? Pour nous finir, nous petit ministre, Fonds national d'éducation, qui c'est FNE, côté gagné, ressortissant nous qui n'ont international là, qui a collecté pour permettre plus de monde d'aller à l'école dans le cadre du programme Chigoa, que l'État campé arbitrairement dans l'année 2016-2017. Est-ce que je dis en tant que ministre de l'Éducation nationale, qui est président du conseil FNEA, est-ce que vous avez quitté Ariel Henry comme c'est loi aujourd'hui? Nous au courant, c'est la primature qui a gagoté l'agence. Je demande au ministre, si vous n'êtes pas capable de jouer un rôle en tant que ministre qui parle au ministre Jacques, il faut vous démissionner si Ariel Henry n'a pas de capacité, n'a pas de manche pour exécuter le rôle en tant que ministre de l'Éducation nationale. Et pour finir, je dis au ministre, discussion ça nous attribue avec aujourd'hui là. S'il n'y a pas de réponse pour vous, je dis au ministre, même j'ai avec l'année dernière, en tant que groupe avant-gardiste, nous avons dit l'école n'a pas de calouvrir dans le mois de septembre. Et nous avons dit, année ça encore. Si vous ne pouvez pas me dire qui est nécessaire, à savoir 10 questionnements ça nous font là, et bien l'école n'a pas de calouvrir en septembre, elle n'a pas ouvert en octobre tout, et nous espérons ça qui est arrivé l'année dernière pour l'école n'a pas ouvert jusqu'en janvier. Et nous avons dit, ministre, pas oublier, chez mes boutons, c'est chez mes malais. Pour nous faire connaître le ministère de l'Éducation nationale qui a annoncé les fermer pour un petit temps, service externe dans Babiol, décision ça prend à cause de menace gang Ameyo sous quelques zones qui n'ont entourage Kafoufei. N'a pas rappelé gagner faculté sans humaine et Inagi qui est déjà au même retiré tout archivio à cause de menace bandit. Gagné émissaire CARICOM yo qui dans pays a depuis 4 septembre yo vinn jouer rôle mitan jouet qui donc médiateur dans crise pays d'Haïti a connait là yo là jusqu'à 10 septembre soit 5 jours avant grande rencontre cap gagné dans niveau conseil de sécurité des Nations Unies sous dossier haïtien. Émissaire parlé hier mardi avec premier ministre de facto Ariel Henry la Kaili dans résidence officielle li dans Misso mon délégation en tour rencontrer membre ACTO délégation proposé by acteur yo 4 grand point, gouvernance à créer considération à CTA, processus électoral, sécurité à réforme constitutionnelle. Quelques initiateurs, déclaration Kingston Yo, groupe Montana, à parti engagé pour développement, yo même fait connaître si yo gen chose si t'a parlé avec émissaire yo, y a demandé carrément démission Ariel Henry, qui gagne 26 mois depuis la tête pays, hein, mais qui n'a pas aucun résultat. Collectif ancien député opposition à Calier, dit yo prend acte qui ont délégation CARICOM qui n'en pays. Yo vin chita parler avec acteur yo pour qu'a jwenn yon solution dans crise là. Abel de Colline encourager ancien député acteur yo pour yo jwenn yon entente pour empêcher pays là continuer de plonger dans l'abîme. En côté Abel de Colline. Au niveau de Kadoa, collectif ancien député opposition à Calier yo qui fait partie grand groupe concertation politique pour compromis historique. Nous considérer énième délégation éminente personnalité CARICOM yo comme suite de un processus qui commençait, vous le rappelez,
depuis première rencontre qui était faite à Jamaïque, à Kingston, capitale de la Jamaïque. Depuis, t'es gagné pouvoir et les signataires de l'accord 21 décembre 2022 qui t'est décliné proposition Payot, à savoir yon élargissement de ACTA, l'Euro Conseil de la Transition, pour yon passer de 3 à 5 membres, renforcer les attributions, les responsabilités des membres du Euro Conseil de la Transition et procéder à formation au gouvernement de salut public. Parallèlement, gagnent l'autre acteur, yo, les non-signataires, qui relaient tête déclaration de Kingston, qui proposaient la mise en place de un conseil présidentiel de 5 membres. Donc voilà, depuis première rencontre ça sous les auspices des éminentes personnalités de CARICOM, gagnent deux délégation éminente personnalité Sayo qui séjournait en Haïti déjà, et si non pas trompé, c'est la troisième délégation. En tout cas, nous-mêmes, nan niveau Kadoa, nan niveau concertation, hein, lors même que nous signataire accord 21 décembre 2022, nous toujours by tête nous yon position médiane. Position médiane, puisque pour nous, ce qui importe, c'est comment nous devons faire en tant qu'Haïtien pour nous soutenir Haïti dans la situation que liée là. Donc, en guise d'attente par rapport à énième délégation, ça, nous voulons espérer, d'un côté comme de l'autre, le pouvoir l'a évolué sous position TFA. Et d'un autre côté, les acteurs de la déclaration de Kingston, ils ont même tout, ils sont capables d'évoluer pour permettre de gagner des points de convergence qui sont capables de joindre pour capables d'assurer responsabilité gouvernance de manière responsable, de manière équilibrée, et permettre enfin nous adresser vrai problème paysan, vrai problème peuplant, qui obtiennent sécurité, qui obtiennent des institutions qui capables mettre yo en ordre de travail pour gouverner pays en yon l'autre façon, yon l'autre gens pour nous capables rebâiller l'espoir et transformer pays d'Haïti. Voilà. Donc c'est vœu pas nous, c'est souhait pas nous, et comme concertation politique pour compromis historique qui toujours joint invitation. Ces messages, ça, n'a pas préparé pour poter si d'aventure nous participer dans l'assise. Mouvement patriotique pour la vie qui formé à qui ont 100 monde qui sortit dans SDP, qui donc qui pas dans SDP encore, qui fait avec Payo, a demandé hier mardi un fonds commun pour retirer pays d'Haïti dans la crise liée je ne j'en dis là. Président Mopal, Ulrich Saint-Cyr, j'ai droit de soirée l'Henri, il fait connaître qu'il s'est obstacle à toute forme de négociation, il dénonce le gouvernement qui n'a pas fait un rien contre gang Ameyo. En côté, Ulrich Saint-Cyr, qui c'est président mouvement patriotique pour la vie, qui formait à peine dans le pays. Lorsqu'un pays est voué à une élite comme le nôtre, pour qui le moi est tout, l'alpha et l'oméga, le but de toute réflexion et de toute action, ce pays ne saurait être autre ce qu'Haïti est devenu. Mopal est une autre manière de faire de la politique dans ce pays. Et c'est peut-être ça, je l'ai aujourd'hui. Hein. Nous sommes en droit de lancer l'appel au ralliement national des forces politiques et démocratiques de ce pays. Nous lançons un appel solennel aux jeunes, à la classe des affaires, aux paysans, à la classe ouvrière de ce pays, pour que tout le monde, en façon de l'autre, mette tête ensemble pour nous sortir du pays à la salle, je ne vous dis. Situation terrible, situation, son situation qui est pénible. L'un a gardé tout côté de notre pays, dans la Tibonie, dans Tabar, dans Torsel, Woodfrère, Croix des Bouquets, la Plaine, Cafoufeuille et la Trier, côté peuple là. A couru, yon a frappé à l'autre, yon pas contre côté pour yon aller. Pendant ce temps, bon gouvernement qui est en place, qui est insouciant, qui est incapable de répondre à revendication de la population. Peuple a délaissé totalement, et comme nous te dit dans le lancement,
nous avons un pays, je ne dis pas, qui sous pilotage automatique parce que pas de monde qui dirige. Lorsque la table est totalement desservie, il faut tirer la révérence. Et la communauté internationale, là, je ne dis pas, le gouvernement d'Ariel Henry, c'est le principal obstacle à la résolution de la crise haïtienne. Parce que, en plusieurs occasions, il y a des groupes de citoyens qui manifestaient bonne foi pour rentrer dans des accords politiques avec Ariel. Ariel n'a pas jamais respecté, même premier article dans l'accord politique, il n'y a pas de volonté politique pour résoudre cette crise. Il y a plutôt de la volonté pour que Ariel pérennise tête au pouvoir. En parlant de négociation, nous pensons dans sa Haïti à vivre là, nous avons besoin d'un large consensus politique pour sortir ce pays de ce bourbier. Et je vous dis, l'urgence de l'heure, c'est la nécessité d'aborder sans détour la question de l'insécurité dans le pays. Il y a une délégation de la CARICOM dans le pays actuellement. Nous applaudissons tous les citoyens qui mettent tête la contribution pour participer dans la démarche pour que le pays a sorti dans sa ligne là. Mais nous appelons son mise en garde pour nous dire dimension crise qui est dans le pays là, nous ne pouvons pas résoudre l'idée de l'État. Aggravation situation sécurité paysan est prévisible d'après Prosper Charles qui c'est un membre groupe travail sous sécurité dénoncé membre gouvernement qui va jamais prend au sérieux travail te proposé par gouvernement sous causer sécurité dans pays a. Il dénonce tout tête ensemble qui gagnait entre autorités établies et également groupe Amio en côté Prosper Charles. J'étais ça déclaré c'est pour te justement empêcher que nous arrivions dans aggravation situation ça. Et pas bien, j'étais ça les réunions au paquet expert en sécurité, on est expert en droits humains, expert académique. Et l'idée, c'était un service que nous, même la société, a voulu offrir au gouvernement, gratis, mettre toute connaissance à disposition du gouvernement, pour nous faire des recommandations, des suggestions, pour nous voir sans situation sécurité a commencé à aggraver. Qui ça nous a fait, qui ça nous supposé faire dans le moment, ça n'a pas de ça, il y a presque 2 ans là, pour nous arriver dans la situation. Ça. Malheureusement, quelles que soient recommandations, suggestions, etc., nous payons, il n'y a rien qui fait, il n'y a pas même répondre nous-mêmes. Donc maintenant, nous devons prévoir. De situation ça qui arrive là, côté de là, si rien n'est pas fait. Nous arrivons là dans la situation ça, malheureusement, donc maintenant c'est comment s'en sortir. Nous connaissons une situation extrêmement terrible, nous avons gardé ça qui a passé qu'à Foufou, même bien tout, nous avons gardé ça qui a fait dans le paquet de l'autre zone, nous avons gardé des gens bandits, comment c'est activé, en pile la semaine, ça n'a pas cherché d'ailleurs, pour qui ça, activation ça, pour qui raison, ça qui a passé qu'à Foufou, là, qui ça qui déjeune, qui l'autre bagaille, nous avons besoin de faire. Et nous toujours, pas de recommandations, mais nous voyons que tout le monde n'a pas réagi, pas oublié. L'année dernière, le gouvernement a retiré le manteau de responsabilité sous lui. Il dit que il fait appel à la force internationale. Donc, c'est ça que nous la situation. Ça, mon cher, nous tendons deux points de vue. Un point de vue, des fois, dans la GTS, là, parce que nous, dans la GTS, nous pensons que ce n'est pas bataille seulement pour la bataille avec Badi. Nous pensons que l'autre façon pour nous payer, on sait de l'autre jeune qui dit qu'il n'y a pas d'option, tu vois, il y en a misère. Nous te dit on laisse la bataille seulement quand tout est dit, Badi, qui l'autre option qu'il y a. Sur la sens, ça nous devine créer un couloir côté paquet de jeunes. Ça a eu que nous parlons avec vous. Que nous demandons, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on joue une zame, on n'a pas de passeport, on n'a pas même de carte d'identité, on n'a pas même de rien du tout. Comment on fait des gros zames en amour? Et souvent, tant de même bandits, même pour conduire, il y a donc des zames qui sont sorties, il y a des complicités avec le gouvernement. Et le fait que nous, le gouvernement, des informations crédibles, pour informations crédibles que c'est GTS qui te baille, il me choisit, ça a eu presque 1 an et demi, des grosses séries de zames qui ont été volées pour la police, les zames qui ont été séries dans le palais national, du patron distribué par la police. Maintenant, à cause de la GTS, nous avons 2-3 autres monde international qui ont un rapport avec Baïsario. Ils ont vu nos rapports là, nous faisons responsable en Haïti, ils ont joué. Et effectivement, oui, ils ont vérifié, ils ont joué nos paquets de zames qui étaient dans la police, ils ont pas vu une balle. Maintenant, tout Baïsario, dis-nous, mes amis, est-ce que pas assez de preuves, assez d'informations? Assez d'évidence pour dire qu'on forme apparemment qu'on forme de complicité. Non seulement manque de réponse là, mais toute accusation sérieuse de tout le monde, etc. Donc apparemment qu'on forme de complicité et le gouvernement apparemment tout le monde pour le répondre. Il n'y a pas de réponse pour le démentir ou bien non. Ce qui a passé dans le pays d'Haïti, là, c'est un complot international qui plonge le pays à dans l'Italie, je ne dis d'après porte-parole, coalition nationale, si à terre accord 11 septembre et 21 décembre. Mais comme l'on s'est fait, on façon pour piller le pays, d'après Jean-Claude Deauville, dans une vidéo pour écouter. Parfait, près des troisième voyage, je crois. Et CARICOM, il dit qu'on s'est d'avance
y a venu pour sortir avec une solution dans la crise. Et nous même peuple haïtien, nous bouquons. Même son seul bail m'a dit monsieur. Et m'a dit avec tout cœur. Je dis à problème ça qui mettait nous là, c'est problème et uranium là. C'est problème uranium là qui a bail problème parce que uranium là c'est un produit essentiel côté que tout pays a besoin même pour y aller dans l'espace. Et je dis à là, d'après tout constat qui fait, c'est uranium là. Je dis à yo connaît Haïti qui uranium, yo décidé yo mettre ensemble pour détruire Haïti. Comment on le fait ouais pour être un pays ouvre porte pour faire tout le monde entrer dans le pays. Tout le pays ouvre porte pour Haïti quitter le pays. Haïti qui est plus important, obligé de quitter le pays. À part de l'insécurité, à part de l'insécurité qui a crevé Bilou, ils ont fait ouverture pour tout le monde qui a quitté le pays. Canada, la France, c'est trois pays ça. États-Unis, Canada, France, c'est eux-mêmes qui mettent nous là. Je dis à son complot international lié. Ce n'est pas un complot haïtien qui a tué haïtien lié. C'est un complot international contre le pays d'Haïti. Parce que regardez sur la planète là, il y a un pays d'Haïti, son pays qui est safe, son pays qui est uranium. Il faut qu'il retire tout haïtien. Et puis, il y a même pour 42 universités à ouvrir. Et puis, il y a fait nous servir et il y a fait nous servir. Travailler dans ce domaine. Alors je dis à moi-même positionner, je dis, je suis bien content qu'il y ait comme ça une solution. Mais est-ce que la solution, hein, c'est retirer de Ayel, pousser de Ayel, venir mettre l'autre monde là? Je ne sais pas quoi la solution. Hein. Au contraire, la solution, hein, c'est Chita avec Ayel, malgré Ayel, il dit, ce n'est pas bon, mais au cas résoudre la crise avec le monde qui l'a, avec Patagonicio. Haïti, le gros problème Haïti a créé, c'est de permettre de nous pas qu'à vivre ensemble, de pas qu'à faire nous mettre ensemble, malgré le pas chita avec nous. Pour une solution, de mettre une équipe en face de nous, et bien de nous tirer contre là. Pas d'accord à position, pas d'accord à position. Pour que le bagage vienne craser net, je dis à, on est qui est bon pour voir là. Pendant qu'on dit qu'il a gagné, qu'il a millionnaire, mais pas le mourir demain, il n'y a pas le mourir demain, maladie qui a venu tuer lui. Mais il faut regarder le sacrifice qu'il fait là pour le Québec, pays, pendant 2 ans. Mais si le Québec pays, est-ce que c'est Haïti qui a une solution? Non, c'est nous, les Haïtiens, qui mettons nous ensemble avec le pays international, pour nous mettre ensemble, pour nous sortir de crise à côté de l'IA. Avocat Caleb Jean-Baptiste, monsieur déposé en plainte là hier, dans le cabinet d'inscription contre Napoléon Johnson et Laurent Lamothe, de monsieur Sao, t'a impliqué dans détourner l'argent, blanchiment l'argent. Ak association malfectée n'a pas vu de côté maître Caleb Jean-Baptiste qui a pour des prises de détails sur dossier ça. Jean nous t'a annoncé lui, nous t'a gagné une plainte n'a vienne déposer contre Laurent Salvador Lamothe contre Johnson Napoléon. Plainte là pour qui s'allier? Laurent Salvador Lamothe que tout le monde connaît, qui pas qu'à rentrer aux États-Unis, qui pas qu'à rentrer au Canada et plusieurs autres pays parce que lui impliqué d'après pays ça yo non financer gang by zam et gagne plusieurs plaintes ancien député était déposé contre lui parce qu'il a vendu zam la prendre examen en Haïti gagne plainte nous-mêmes nous déposer contre lui parce que lui ba chaque sénateur 40,000 dollars américains pour te voter d'après directeur Lacasse qui te dit pas combien pour si te prend gagne un dossier Petrocaribéa que monsieur impliqué grand équipe dossier les nous garder. Nous, ouais, Johnson Napoléon, qui est président Azur College, un collège aux États-Unis, c'est monsieur ça, il était invité comme invité d'honneur dans la troisième promotion, si mon infirmière qui a gradué. Ça veut dire, mon semblé, mon qui pas droit, semblé à mon qui pas droit. Bon, c'est l'école, il fait ça, lui. Mais là, nous gardons, quand t'es pas grave après le marqué ça, hein, c'est là, nous, ouais, on présente un chèque de 400 000 dollars américains. Il dit, il fait don au gouvernement haïtien. Et 400 000 dollars américains, ça arrive pour monter nos chèques là. Ils ont après aller pour faire 10 mouns à l'étudier dans Azur College. L'en a regardé dans le trésor public, 400 000 dollars américains pas rentré. L'en a regardé enquêter est-ce que l'étudiant de voyager, étudiant pas voyager. Et monsieur, il y a eu une publicité dans tout pays, toute radio, Azur College fait 400 000 dollars américains. Et il y a eu ça qui est income tax aux États-Unis d'Amérique. Lors de passer l'argent, à la fin d'année, ils ont retourné. Ils parti là-dedans. Et leur fait donc même son dans paquet comme le barou, leur fait donc. Nous voulons comprendre. Comme pas entrer dans le trésor public, étudiant pas voyager.
Par explication qui va nous venir comprendre, c'était une association de malfaiteurs qui était faite entre Laurent Salvador Lamotte, le corrompu qu'il est, et Johnson Napoléon, l'associé de Lamotte, un corrompu également, parce que les sont associations de malfaiteurs, c'est une qui met ensemble pour faire l'argent. Eh bien, sous base ça, nous-mêmes, comme avocat professionnel, qui est un haïtien, qui est vraiment contribuable, nous choisissons pour te plaindre contre Laurent Salvador Lamotte, Johnson Napoléon et consort pour corruption, détournement des avoirs, blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs. C'est pour une fois que ce soit aujourd'hui, nous avons voté plainte et plainte l'a déposée au niveau du cabinet d'instruction. À partir de aujourd'hui, Johnson Napoléon sera inculpé. Lamotte encore inculpé parce qu'il est inculpé dans plusieurs dossiers. Et me dit nous ça, tôt ou tard, Johnson Napoléon et acolyte l'IA a gagné pour l'explication sous chèque de 400 000 dollars américains. Le Premier ministre Ariel Henry procédé hier mardi 5 septembre avec le lancement programme subvention ciblé pour véhicules, transport en commun et encadrement anti-entreprise et moyenne entreprise tout. Activité cela inscrit dans le cadre programme multisectoriel pour apaisement social et réinsertion groupe vulnérable, le groupe qui est malhonnête, qui était mis en place par le gouvernement, peut-être collé avec le Fonds monétaire international, d'après sa chef gouvernement fait qu'on est. Mais gagner là différents secteurs dans un niveau transport, par exemple syndicats, qui pas mettre point de pied dans la cérémonie, nous connaissons, ils étaient dans ces grèves. Et il était rentré mode de grève là à cause examen baccalauréat. Il a demandé pour Ariel Henry descendre sous gaz. Nous connaissons 10 piastres seulement de tirer sous gaz parce que gaz là est baissé sur le plan international. Nous allons parler de sport beaucoup là. C'est avec Jonathan Charles. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la rubrique sportive là ensemble avec Jonathan Charles lui-même qui a présenté nous la rubrique ça. Actualité sur le plan local dans le football. Nous allons parler de Dinamo Zagreb, un club dans première division dans pays Croatie qui t'a voulu jouer un service attaquant international haïtien, n'a parlé de Franzi Piero. Selon en Liga TV, il y a un club russe tout qui prêt pour ta offrir Maccabi Haïfa 3.5 millions d'euros pour ta jouer un service grenadier haïtien. N'a pas allé mercato dans pays Croatie a fermé porte le 8 septembre qui vient là. Et dans le pays de la Russie, c'est 14 septembre, l'app fermé porte-li. Franzi Piero, c'est un cap-haïtien. Et depuis 1er juillet 2022, l'app joue une équipe Maccabi Haïfa qui a acheté pour 1,6 million d'euros. Franzi Piero, lui-même, qui n'est pas capable de répondre présent avec la sélection haïtienne dans la journée FIFA qui parle de là. Monsieur lui-même qui est blessé. Et c'est Carnegie Otwane rapidement qui remplace Franzi Piero. On a toujours parlé de football sur le plan local avec joueur haïtien qui a évolué à l'échelle internationale. C'est Rubens Passius, qui a joué dans l'équipe Forge Football Club là. La Canadienne pour Ligue là, 22e journée a été jouée pendant le week-end là. FC Forge a battu Vancouver 3-0 dans le Wirugi Community Park Stadium là, qui a une capacité 6600 places. Et c'est Ruben Spasius, monsieur, fait un triplé s'il vous plaît pour l'équipe FC Forge là. 19e minute, 28e minute et 47e minute de jeu. Et 3e goal là, c'était sous penalty Lite Fell. Après victoire ça, FC Forge gagne 35 points, même Jean avec équipe Pacifique là qui gagne 35 points, mais Pacifique gagne bon goal différence plus 10, les deuxième FC Forge lui-même gagne goal différence plus 6. Et là Rubens Passius lui-même qui fait causer. N'a quitté dossier football expatrié, nous allons parler Kounia Coupe du monde de basketball dans page internationale là. Les matchs qui étaient gagnés pour quart de finale, gain la Serbie qui écrasait la Lituanie 87-68. Bogdan Bogdanovic, monsieur lui-même qui fait 21 points pour Serbio. Nikola Jokic, monsieur pas trop bon, il fait 8 grands points seulement. L'autre résultat quart de finale, les États-Unis font malheur sur l'Italie, écrasait 100-63. Donc écrasante victoire pour 37 points d'écart. Il y a 27 Américains. On a parlé de Mikhail Bridges. Monsieur fait 24 points pour Team USA. On a quitté la Coupe du Monde de basketball. Nous allons parler de football dans la page internationale. Avec football féminin, gagné à la Fédération espagnole de football. Il a mis dehors Jorge Vilda Rodriguez, monsieur qui part en tête sélection espagnole là encore. Entraîneur 42 ans qui était en tête sélection depuis 2015. Et là, monsieur lui-même qui font craser
quitter ça. Et Fédération espagnole là pas printemps bien vite getan mettez Monse Tomé dans tête sélection espagnole là. Il a 41 ans, lui-même qui était coach assistant, qui était dans poste ça depuis 2018, lui-même qui parle qu'on dit sélection espagnole là. On a quitté football femme, nous parlons parler qu'on a football bon côté monsieur yo. Nous allons aller directement en Afrique ensemble avec éliminatoire pour Coupe d'Afrique des Nations 2024 là qui a été pour le fait dans pays à Côte d'Ivoire. Mais là Super Eagle yo l'issue même qui sorti en nous garder l'Islam rapidement. Trois goalkeepers c'est Francis Ozoro, Olo Runkele Ojo, Adebayo Abdelve. Dans défense dans jeune joueur tako William Cruz Ekong, Semi Ajayi, Ola Aina, Tiron Ibrechi, Calvin Bassey, Bruno Onyemachi et Jamilo Ogolins, Jordan Toromba Riga. Mitatereo, c'est Joe Aribo, Wilfried Ndidi, Frank Onyeka, Raphaël Onvedika. Attaquant, c'est Victor Osimhen, Samuel Chukwueze, Kelechi Iheanacho, Moses Simon, Abdelnoullah Lukman, Victor Boniface, Gift Orban, Taiwo Aroni, c'est Mounsayo Milak pour jouer pour sélection nigériane, lui-même qui engagé dans sa rapport avec Coupe d'Afrique des Nations, c'est phase éliminatoire. On regarde comment et groupe même joué les Naptoubaï équipe qui était qualifié pour Coupe d'Afrique des Nations 2024 là. Le groupe A, Nigeria premier, il a 12 points, il était qualifié. Guinée-Bissau deuxième, il a 10 points et il était qualifié. Et après ça, nous jouons l'équipe de Sierra Leone, il a 5 points. Sao Tomé et Principe, il a 1 point. Maurice, même, il a 0 points. Et le groupe ça même qui travaille verdict déjà. Dans le groupe B, nous jouons Burkina Faso ensemble avec Cap Vert, chaque là, il a 10 points, il était qualifié, s'il vous plaît. Équipe de Togo a 5 points. Estratini a 2 points seulement. Verdict dans le groupe ça, le même qui est fait. Groupe C, ça, dans le groupe C, pardon, il y a Namibie, Cameroun, ensemble avec Burundi. Pourquoi il qualifie dans le groupe ça? Puisque Namibie a 5 points. Premier, Cameroun, ensemble avec Burundi. Chaque, il y a 4 points. N'importe quoi, il n'est pas passé dans le groupe ça. Dans le groupe D, nous jouons acheté avec l'Egypte, Guinée, Malawi, ensemble avec Éthiopie. De qualifié dans le groupe ça, c'est l'Egypte, ensemble avec Guinée. L'Egypte a 12 points, leader, 9 points pour l'équipe guinéenne. Et qui tout dit Malawi, qui tout dit Éthiopie, qui était éliminé. Groupe EA, Ghana, Angola, Centrafrique, ensemble avec Madagascar. Dans le groupe ça, Ghana, leader, il y a 9 points pour qu'on qualifie dans le groupe ça. Angola, deuxième, il y a 8 points. Centrafrique, qui 7 points. Seule équipe qui était éliminée, c'est Madagascar lui-même, qui a 2 points seulement. Dans le groupe F, là, Algérie, leader, il y a 15 points, il était qualifié. Deuxième, c'est Tanzanie qui a 7 points. Ouganda qui a 4 points. Troisième, Niger, point dernier, qui a 2 points. Elle déjà éliminée, s'il vous plaît, dans le groupe F. Là, c'est Algérie qui était qualifié. Dans le groupe GIA, Mali, leader, qui a 12 points, qui était qualifié. Gambie, qui a 9 points. Deuxième, Congo, qui a 6 points. Troisième, Soudan du Sud, qui a 3 points. Et Gambie, avec Congo, là, Cap Goumé, pour qui est-ce qu'il a fini deuxième. Dans le groupe Achla et Zambie lui-même qui leader il a 12 points il est qualifié. La Côte d'Ivoire il a 10 points tout l'équipe s'est qualifiée. Comores il a 6 points le troisième. Lesotho il a 1 point. Ligue est éliminée. Dans le groupe EA nous jouons République démocratique Congo il a 9 points leader il a 2 équipes à 7 points c'est Mauritanie ensemble avec Gabon Soudan il a 6 points dans le groupe ça. Pourquoi il y a une équipe qui est qualifiée? Pourquoi il y a une équipe qui est éliminée? Dans le groupe G1, il y a Guinée équatoriale qui est leader avec 12 points. Tunisie, 10 points. Deuxième. Botswana, 4 points. Troisième. Libye, bon dernier, 3 points. Guinée équatoriale, ensemble avec Tunisie, c'est eux-mêmes qui étaient qualifiés. Dans le groupe K, nous jouons Afrique du Sud, leader, 7 points. Maroc, 6 points. Libéria, 1 point. Afrique du Sud, ensemble avec Maroc, Yushak, ils étaient qualifiés. Verdict, groupe ça, lui-même, il était fait. Et dernier groupe là, c'est groupe L là, Sénégal 13 points, Mozambique 7 points, Bénin 5 points, Rwanda 2 points, Sénégal guette jeune billet qualification. N'a quitté football dans le continent africain, nan, nous pour aller kounya en Europe et pour aller parler Lice Squadra Azura, Luciano Spalletti lui-même qui mettait Lice de yo. On regarde Lice là rapide, goalkeeper c'est Gianluigi Donnarumma, David Neret, Prof Del ensemble avec Vicario. La défense nous joint Bastoni, Cristiano Biraghi, Casale,
Mathieu Darmian, Di Lorenzo, Di Marco, Mancini, Romagnoli, Scalvini et Spinazzola. Mitan teren sinou Koulibaly, Adrien Cristante, Fratesi, Locatelli, Lorenzo Pellegrini et Pessina ensemble avec Sandro Tonali. Attaquant c'est Federico Chiesa, Ginonto, Ciro Immobile et Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni ensemble avec Zaniolo. C'est mon sao que Luciano Spalletti même limité de yon sélection italienne la pagin pour jouer dans l'éliminatoire Coupe d'Europe 2024 là samedi contre Macédoine du Nord à 2h45 l'après-midi y a un déplacement et mardi 12 septembre y a prochaine fois Ukraine yon en groupe C ya. Dans même groupe C ça gagné en sélectionneur anglaise là on a parlé de Gareth Southgate monsieur là lui-même limité liste joueur de yon. On regarde liste rapide goalkeeper c'est Sam Johnstone, Jordan Pickford ensemble avec Aaron Ramsdale lui-même qui a joué une très belle saison avec l'équipe Arsenal. Dans défense là, on a Ben Chilwell, Levi Colwill, Lewis Dunk, Mark Geki, Harry Maguire, Fikayo Tomori, Kieran Trippier, Kyle Walker. Milieu terrain aussi Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Connor Gallagher, Jordan Henderson, Calvin Phillips ensemble avec Declan Rice. Attaquant yo, Eberechi Eze, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Eddie Nketiah, Marcus Rashford ensemble avec des joueurs de coup et Bukayo Saka, Gintou, Callum Wilson. C'est mon sa yo que Gareth Southgate même lui fait appel ensemble avec yo. Et l'Angleterre qui est dans le même groupe ensemble avec l'Italie, dans le même groupe ensemble avec l'Ukraine et dans le même groupe tout avec Macédoine du Nord. Il y a pas de game pour jouer samedi 9 septembre face sélection Ukraine. Jonathan Charles a présenté nos rubriques sportives. Mais c'est tout le monde qui débranche Takinfo News pour ce journal. Ça, on a croisé demain matin, bonnet pour l'autre journal sur Takinfo News. Mais pas oublier, continuez à partager Chanel là pour plus de connaître ce qui passe dans le pays d'Haïti.